Yo, c'est Lost en SF2, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur... Alors déjà pour vous expliquer un peu, donc là ça va être une vidéo sur The Girl in the Spider's Web. Donc en fait ça va être la fille dans la toile de l'araignée. Alors pour vous expliquer un peu ce qui se passe, là en ce moment on est dans la période E3 pour tout ce qui est jeu, pour tout ce qui est jeux vidéo. Et également une période, alors donc j'ai oublié le nom, et en fait c'est la période, je vais essayer de vous retrouver le nom, en fait c'est la période où les studios sortent les bandes annonces de leurs films, etc. Donc, on va dire période assez importante, on va dire ça comme ça, dans le sens où il va y avoir du coup pas mal de bandes annonces à venir. Et il faut savoir que, comment dirais-je, que avant même de faire des réactions sur des clips de rap ou des clips de chansons, même je dirais pour faire plus court, je faisais des vidéos sur des bandes annonces. Étant donné que, non, clairement les films ça peut être bien, et ouais, en fait j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de gens des fois qui se fiaient à mon avis pour aller voir tel film ou non. En sachant que mon avis n'est pas forcément le meilleur, je le redis encore une fois, j'essaie en fait d'avoir un avis objectif, entre guillemets, par rapport à ce qui est sorti avant, après, voilà, en rapport avec ça. Donc on va voir ce que ça donne, je connais pas spécialement les acteurs, je ne sais pas si le film sort d'un livre ou autre. Du coup, je vais juger en tant que quelqu'un là, pour le coup, qui n'a pas beaucoup d'infos. On va voir ce que ça donne, let's go! Ouais. Ok, donc c'est du Sony. Sorry, I said those things. On part sur un film d'horreur. You know how much I love you, don't you? Oh là! Le mec il va se faire fumer. Who the hell are you? Ok. I'm a fan of yours. The CEO who beat up two prostitutes, but then got acquitted in court yesterday. Get me down. I'm transferring 20% of your cash to these two girls. I'm calling down to security. The rest, I'm transferring to your wife. Elle a arrêté d'appeler. Don't. 51912. C'est une blague. Take your child and leave. He won't hurt you again. Mr. Chen has bankrolled your company for years. Isn't this his wife? You bitch! You try to contact your wife again, or if anything unexpected should happen to her, this video will be sent to him. Ok. Une sorte de justicière. Ok. Ok, une sorte de justicière du peuple. The girl who hurts men, who hurt women. I could never figure it out. Why did you help everyone but me? Can't outrun your own shadow. Why is it this but elle a vraiment fait why ça? Is it spiders don't get stuck in their own webs? Ok. Ok, alors on n'a pas énormément d'infos sur ça. Maintenant on a quand même pas mal de choses. Donc en fait j'ai l'impression, alors pour ceux qui connaissent le film, j'ai oublié le nom, excellent. Pas le Punisher. Equalizer, The Equalizer, voilà. Pour ceux qui connaissent le film The Equalizer, j'ai l'impression que ça va être le même genre de film. Ça a l'air cool, faudrait peut-être une deuxième bande-annonce histoire de mieux comprendre. Quelque chose qui me dérangerait en tant que film où il y a une actrice héroïne, je pense que, et franchement c'est malheureux à dire parce que je suis premier contre ça, mais je pense qu'ils auraient dû prendre une Scarlett Johansson ou quelqu'un comme ça. Alors que pourtant je suis le premier à dire qu'il y a vraiment d'autres actrices plutôt que ces femmes-là qui méritent aussi d'être connues. Mais là pour le coup, étant donné que tu pars de quelque chose totalement inconnu qui sort de nulle part, je pense qu'il aurait peut-être fallu
s'assurer un minimum de com et prendre une actrice plus connue, je pense. Ok, en tout cas, non, non, l'action, la façon dont c'est amené, etc., a l'air cool. On va voir ce que ça va donner. J'attends peut-être une deuxième bande-annonce, peut-être un peu plus de précision. En tout cas, Stellosters. Pareil, hein, si vous avez des bandes-annonces ou des choses à regarder, alors du coup, des bandes-annonces de films qui sont pas encore sortis, ça serait pas mal. Je prends Stellosters. Tchuss!